Déterminer le coefficient directeur de la droite qui passe par les points de coordonnées 7 moins 1 et moins 3 moins 1. Je vous propose de commencer par tracer cette droite qui passe par les points de coordonnées comme ça, juste pour qu'on visualise un petit peu les choses. Alors, mon axe des x, mon axe des y. Donc on va placer le point de coordonnées 7-1. Donc en x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en y, moins 1, c'est ici. Donc ça nous fait notre premier point ici. De coordonnées 7-1. Et le deuxième point, il est aux coordonnées moins 3-1. Moins Donc moins 3 en x, moins 1, moins 2 moins 3 et moins 1 en y, c'est ici. Donc ça nous amène ici. Ça nous fait une droite qui ressemble à ceci. Voilà. Donc on nous demande le coefficient directeur de cette droite. Je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est quelque chose. Coefficient directeur qui est en fait une façon mathématique de parler de la pente de la droite. Et on l'écrit d'ailleurs M. Alors, M, ça se mesure avec delta Y sur delta X. C'est-à-dire, on peut aussi l'écrire Y2 moins Y1 sur x2 moins x1. Dans ce là on va essayer de mesurer en fait c'est la pente de cette droite. Et je pense que déjà, en regardant la droite, vous devez vous dire ben elle est toute plate, elle est vraiment toute droite. Donc il n'y a pas vraiment de pente. Et on va le mesurer, vous allez voir justement que ça va nous donner un résultat intéressant. Alors commençons par calculer hum, le delta x, le delta x. On passe de ce point à ce point. Donc, on va faire... Alors, je ne pas noté les coordonnées de celui-ci. Je vais les marquer. Moins 3, moins 1. Voilà. On va faire... Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, delta x, c'est 10. Et maintenant, delta y. Alors là, je pense que vous devez vous dire... Ben, L'évolution en y... Il n'y en a pas vraiment parce qu'on reste à moins 1 en fait. On est à moins 1 ici, on est à moins 1 ici. Donc delta y, delta y c'est 0. Il n'y a pas d'évolution en y. On est tout le temps sur moins 1. Donc qu'est-ce que ça nous donne ça Ça nous donne que m c'est égal à delta y c'est 0 sur delta x c'est 10. Et ça, 0 sur 10, c'est une fraction qui vaut en fait 0. Donc le coefficient directeur de cette droite, c'est 0. Et en fait, si vous réfléchissez bien, c'est assez logique. Il n'y a pas de pente. Il n'y a pas de pente, donc c'est 0. Voilà ce que ça signifie. On pourrait même le mesurer d'une autre façon. Je vous ai dit, on peut le calculer y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous allez voir qu'on va tomber aussi sur 0. Je vous rappelle que ça... On peut l'appeler x1, ça y1, ça x2 et ça y2. D'accord Donc si on remplace les valeurs dans la formule, ça va nous donner m égale, on a dit y2, c'est moins 1. Moins y1, c'est moins 1 aussi. Donc moins moins 1 sur x2 c'est moins 3 moins x1 c'est 7 et on calcule moins 1 moins moins 1 ça fait moins 1 plus 1 et moins 1 plus 1 ça fait 0 sur moins 3 moins 7 ça fait moins 10 on a l'impression de tomber sur une fraction complètement différente 0 sur 10 et là 0 sur moins 10 mais en fait c'est parce que on est passé de ce point à ce point. Alors tout à l'heure on était passé de ce point à ce point. On le fait en sens inverse mais ça va donner exactement le même résultat parce que 0 sur moins 10 eh ben, ça fait aussi 0. Donc, quel que soit le sens dans lequel vous le prenez, vous tombez toujours sur le même coefficient directeur et ici comme c'est une droite qui est plate, le coefficient directeur c'est 0.